Rose café au quotidien, désir de s'approprier, inspiration et soutien, et des idées échangées. Bonjour Diane, tu m'as devancé aujourd'hui? Faut bien que je me montre aussi vaillante que toi. Ah bon, alors en l'honneur de ta vaillance, tu veux bien nous faire connaître ton mot pensé? C'est encore moi qui commence. Ah, je suis toujours curieux de connaître ton choix. Ça alors? Tu viens de dire mon mot. Ton mot, c'est choix? Oui, il faut que je te dise. J'ai reçu à Noël un cadeau. Un livre, tu sais ces livres qui a chaque jour une illustration avec un mot? Mm-hmm. Je vois ce que tu veux dire. Alors, une pensée de ce livre-là m'habite, que j'ai lu la semaine passée. C'était pas un grand saint qui l'avait écrit, ni un grand auteur spirituel connu, mais un homme d'affaires. Il disait, ce ne sont pas les circonstances, c'est-à-dire les situations que nous vivons, mais nos choix qui fait ce que nous sommes. Oui, c'est profond comme pensée. Puis des choix, ben, on en fait constamment. Quel cadeau je vais acheter pour l'anniversaire de ma fille? Devrais-je changer d'emploi? Une nouvelle voiture? Oui. Si mon conjoint et moi, par exemple, allons décider de devenir encore parents, des décisions qui sont des choix qui sont lourds de conséquences ou bien banales. Mm-hmm. Dans le fond, il faut y faire face. Oui. Et on peut pas dire qu'on n'a pas le choix. Justement, je suis d'accord avec toi. Ne pas faire de choix, c'est déjà choisir, n'est-ce pas? J'avais jamais envisagé ça de cette façon, mais tu as raison. Et toi, ton mot en fait? Je pourrais dire, comme tu as dit hier, mon mot m'a été dicté par une émission de télé que j'ai vue récemment. Mm-hmm. C'était une entrevue avec des parents d'enfants handicapés. Oui, c'était un couple avec deux enfants lourdement handicapés. À un certain moment, le père racontait leur situation à lui et son épouse. Et il disait, c'est comme si à chaque matin, on se lève devant le mont Everest et il faut l'escalader, encore aujourd'hui. J'ai trouvé que ces gens-là avaient tellement de courage. Alors, si ils t'ont inspiré, ton mot, courage? Oui, je les revois encore tous les deux avec leurs deux enfants. On nous montrait des images avec les parents assis par terre, justement, avec les deux enfants, 3 et 5 ans, qui jouaient, qui leur apprenaient des jeux faciles. Puis les enfants, ils riaient de tout leur cœur. Puis les parents se regardaient avec un sourire tellement encourageant. Oui, bon, ça doit leur prendre toute une dose de courage pour faire face à tout ce qui les attend chaque jour. Une fichue dose, c'est certain. Je pense que nos deux sujets vont occuper nos pensées pour la journée. Nos choix. Oui. Et le choix de personnes de courage. À demain. À demain.